Deux minutes pour comprendre aujourd'hui le gonflement des testicules. Alors, je suis avec le professeur François Desgrandchamps. Vous êtes auteur de La prostate, on en parle. Les testicules qui gonflent, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça peut être deux choses. Malheureusement, des tumeurs. Dans ces cas-là, c'est souvent un côté. Enfin, l'immense majorité, c'est un seul qui grossit. Ou de l'eau autour des testicules. Et là, ça peut être les deux côtés. En fait, la façon d'être sûr, c'est bien sûr de consulter. C'est pas normal d'avoir un testicule qui gonfle. Il faut faire une échographie et on sait immédiatement, soit il y a du liquide, c'est complètement bénin, soit il y a une tumeur à l'intérieur. Et donc là, il faudra opérer. Donc, tumeur grave, liquide, moins grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les deux cas ? Dans le cas de la tumeur, bien sûr, on opère, il faut enlever le testicule qui est tumoral et on guérit 99% des cancers des testicules actuellement. Et dans l'autre cas, tout le testicule. D'accord. Dans l'autre un cas, ou les deux par précaution. Un. La bilatéralité, c'est très rare, c'est moins de 4%. Et lorsque c'est de l'eau, ça dépend de la gêne. Soit il y a de l'eau autour du testicule, ça ne gêne pas le patient, on ne fait rien. Soit ça le gêne, et dans ces cas-là, on ne peut pas ponctionner pour vider, ce serait le bon sens. Hein. On vide l'eau, et puis, parce que ça se reconstitue en une semaine. Et donc dans ces cas-là, il faut opérer. On enlève une membrane. L'eau est due à une membrane qui entoure le testicule, d'accord, qui sécrète ce testicule. On enlève la membrane et les gens guérissent. On enlève la membrane, d'accord. Voilà. Ok. Donc, en clair, après, il y a des récidives, fait mal. Non, la chirurgie du testicule, ça fait pas mal. Les récidives, donc on l'a vu, pour le cancer du testicule, c'est exceptionnel, on guérit tout le monde. Et pour l'hydrocèle, c'est pratiquement jamais. C'est vraiment tout à fait rare que l'eau revienne après. Donc, pour se résumer, avoir un testicule qui grossit, c'est pas normal. Il ne faut pas laisser faire, il faut consulter. On estime en moyenne presque jusqu'à 2 ans avant qu'un jeune homme consulte pour un cancer du testicule. Un testicule qui grossit, à partir de quel moment on dit qu'il grossit ? À partir du moment où il est asymétrique par rapport à l'autre. Les testicules ne sont pas exactement de la même taille des deux côtés, mais sont similaires. À partir du moment où il y a un des deux qui est plus gros que l'autre, là, il faut consulter. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez vos testicules tous les jours, regardez ce qui se passe. À très bientôt.